alors que Caroline Turbide affirmait qu'elle n'était pas contre être surveillée au travail si elle était au courant. La chroniqueuse de SEC de la télé s'est grillée toute seule auprès de sa boss, Valérie Benaïm. Tel est prix qu'il croyait prendre, n'est-ce pas Caroline Turbide? Ce jeudi 19 septembre, la chroniqueuse de 40 ans était, comme à son habitude, présente dans l'émission C'est que de la télé auprès de Valérie Benaïm. Si elle a évoqué le licenciement d'un Néo-Zélandais qui a fait écho à la propre expérience de Gilles Verdez, la fine équipe de C8 s'est également attardée sur l'application dont se servirait Emmanuel Macron pour surveiller ses ministres. Une méthode plutôt surprenante qu'a néanmoins applaudi Caroline Turbide. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en précisant n'y voir aucun problème, dès lors que « les employés » sont prévenus, elle tendait le bâton pour se faire battre. Caroline Turbide se fait remonter les bretelles pour manque de travail alors qu'elle sous-entendait que certains de ses camarades ne seraient pas autour de la table si Valérie Benaïm mettait cette technique en place. Caroline Turbide s'est tout bonnement fait griller sur la place publique par sa boss « lorsque je vous envoie les sujets que l'on va travailler dans l'émission, je vous envoie un petit lien avec toutes les vidéos que l'on va exploiter, pour que vous travailliez. Quand j'envoie ce petit lien je sais qui ouvre et qui n'ouvre pas », si elle a tout de suite su où Valérie Benaïm voulait en venir. Caroline Turbide a tenté de se défendre et de démentir. En vain, vous ouvrez le mail global et après effectivement il y a différents petits sujets, a déclaré Valérie Benaïm. Vous n'ouvrez que le mail global. Une séquence gênante mais drôle que l'on vous propose de découvrir dans notre vidéo.